Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Lucie. Hello. Et on va faire une recette qui est la galette des rois. Je sais que vous avez rajouté par rapport à cette fête. Non, j'avais oublié que j'avais cette fête, mais du coup Lundaraf m'a contacté pour faire de la pâtisserie et j'ai dit pourquoi pas. Il m'a proposé de faire une galette des rois au caramel et ça m'a donné très envie de goûter ça, donc on est parti. Voilà, alors on va commencer par la pâte feuilletée inversée, qui est une recette où les deux étapes sont inversées par rapport à d'habitude. Je me rends pas bien compte parce que j'ai jamais fait de pâte feuilletée, donc on va essayer la recette. Donc on a tous les ingrédients ici. Donc il y a deux parties, la détrempe ça s'appelle. Donc on a 350 g de farine, 115 g de beurre, 15 cl d'eau et du sel. Et puis il y a, il faut faire un beurre farine, je sais pas trop ce que c'est non plus, on verra bien. Il faut 375 g de beurre. Jusque là je trouve ça un peu excessif mais on verra bien. Et 150 g de farine. Donc voilà, on va commencer par le début de la préparation. Alors on va commencer par la détrempe. Donc d'abord il faut... Oui, je vais pas me bourrer de côté. Alors il faut mélanger l'eau avec le sel jusqu'à ce que le sel soit dissous. Normalement il faut aussi une cuillère à soupe de vinaigre blanc, mais c'est juste pour pouvoir conserver la pâte feuilletée quelques jours. Alors du coup on n'a pas besoin puisqu'on va l'utiliser tout de suite. Alors voilà, alors j'ai fait fondre le beurre, enfin mon assistant a mélangé l'eau et le sel. Oui. L'idéal ce serait de mélanger avec un batteur électrique, comme je n'en ai pas, on va faire à la main. mon fouet, assistant, tu peux me lancer? Oui, assistant en commande. On est censé battre un peu la... Et merci. Voilà. Bon, du coup, on est censé... Mon assistant met le bordel chez moi. Transition farine. Voilà, alors la pâte est à peu près prête. Et la pâte est assez spéciale, très... On sent qu'il y a beaucoup de beurre dedans, elle est très très moelleuse, très, très douce, mais ça a l'air vachement bon. Alors j'ai hâte de goûter ça. C'est parti. C'est posé un petit peu et puis on va faire une forme de rectangle et mettre au frigo et on prend ça ensuite. Alors voilà, on a aplati la détrempe. Comme vous pouvez le voir, il y a un aspect un peu irrégulier. Bon, il y a aussi un peu de la farine, mais c'est le beurre qui n'est pas tout à fait mélangé à la pâte, qui est exprès. Ça a l'air vraiment très très bon. C'est à peu près un rectangle sur 25 cm par 12 à peu près. Et d'une épaisseur assez moyenne, on va mettre ça au frigo. Alors maintenant on va faire le beurre manié. Donc on va mélanger la farine avec le beurre. Et puis... puis c'est tout en fait. C'est parti, transition farine et beurre. Il est en train de te pencher. Non, ne mange pas ça, tu vas être malade. Tu crois? Bah, je veux dire, être humain, on mange de la farine, on n'est pas très bien prêt, donc... T'aurais pas pu me le dire avant. Ripper le chien. Cliché, PS, réalité. Voilà. On a essayé de faire la pâte feuilletée inversée. Voilà. Là, le jour même, c'est le 6 janvier, mais on peut en sortir quand je sortirai la vidéo. Ça sera peut-être dans un mois ou peut-être dans... Voilà, tu connais ça, ce sera dans 3 ans. Donc, la galette des rois, c'est la fort tard. Voilà, nous, en tout cas...
On est à l'heure, hein, c'est... Voilà, alors on a fini la pâte feuilletée inversée qui est ici. Ouf. Je sais pas si elle a l'air vraiment bonne, mais disons qu'on la découvre en même temps que vous. Je sais pas trop. Alors on va passer à la deuxième partie qui est de faire la galette avec la pâte feuilletée. Donc pour ça on a 100 g de poudre d'amande, 150 g de sucre, on va utiliser un petit peu de jus de citron, 100 g de beurre demi-sel, 2 œufs, une pincée de sel et puis on a ici 100 ml de crème. On va maintenant passer à la préparation du caramel qui va nous servir pour faire notre pâte d'amande au caramel. C'était pas quelques gouttes? C'est quelques gouttes, ok. Et voilà, le sucre a fondu. Et là, nous allons mettre la crème avec le sucre. Je peux avoir des croquettes, hein, ça fait, parce que du coup j'ai un peu faim. Comment tu dis de la merde? Mais Lucie, non, mais attends, tout ce que je voulais moi c'était des croquettes, tu vois, mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, je me tire. Ah, je suis trop petit, je peux pas ouvrir la porte. RIP. Alors, à savoir, c'est pas censé avoir tout à fait cette tête, mais c'est parce que on n'avait pas de vraie poudre d'amande. C'était plus, c'est de l'amande en poudre, mais avec la peau, du coup, ça donne pas tout à fait la même texture. Mais ça a l'air d'avoir bien marché et ça sent divinement bon. Et voilà.
voilà notre ravioli géant. Yes. Parce que la pâte était pas assez malléable pour en faire un rond. Bah, on a fait un rectangle et on a fait des traits. Du coup, j'ai un gros ravioli. Alors, on voit pas, mais normalement, on a dû faire des fentes pour éviter que ça gonfle et que ça pète dans tous les sens. On peut voir un petit peu les traits qu'on a fait au couteau pour éviter que ça gonfle. Puis j'ai fait des traits à la fourchette, un peu comme sur des chaussons aux pommes ou je ne sais quelle recette qu'on pourrait fermer en deux. C'est un peu à l'improvisation, mais puis on va cuire ça 45 minutes. Il faudrait qu'on pense à des photos pour la miniature de la vidéo. Hein. La miniature de la vidéo. Ou c'est genre... Ok, c'est parti pour 45 minutes. C'est déjà 21h. Miss the old you, the one that held me down and kinda told the truth. At Warwick every Wednesday, can't control you. Partying with rappers acting hoish too. You got yourself a singer. The baddie, more the baddie, man. I'll take you out for dinners, take you shopping for them clothes. Before I got so distant and you got so far, I miss the old you. Je vois bientôt que je retourne la pâte. Parce qu'en fait, ça cuit plus que de ce côté que de ce côté dans ce four. Écoute, tout est pété dans cette cuisine, d'accord? Tu sais ce qu'on a offert à Noël là, à ma mère? Des spatules, tu vois, parce qu'on n'avait plus rien. On avait offert des spatules, une lécheuse, une casserole, parce qu'on n'a plus rien dans cette cuisine. C'est en train de chauffer. Vous voyez là? Quelle heure il est là? On fait ça à cette heure-ci, hein. Cliché VS réalité. On s'apprête à ouvrir notre galette. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais. Bon bah écoute, ressort deux petites assiettes. Ah non, pas là! Ok, un trésor. Ok. Félicitations. De qualité. C'est quoi ce genre de part de giant fat là? C'est excessif. Je vais couper un peu. Et encore, hein, nous on prend cette part. Hein. Alors casse. Et il y a 10 minutes, le mec me fait. Ouais, mais ça se conserve pas plusieurs jours ce truc. Génial, on devra tout manger ce soir. Manger deux. On va vraiment pas noter. C'est trop ridicule. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de galette des rois, je sais pas toi, mais... Moi non plus. C'est parti. 3, 2, 1. C'est super bon, hein. Genre c'est moelleux, c'est super moelleux. La pâte est très croustillante. Je sais pas si c'est censé être le résultat que c'est censé donner, mais on a tellement galéré à faire cette pâte fruitée que... Deux jours. Je suis plutôt fière. C'est moelleux, c'est vraiment bon, c'est... Et puis on sent le caramel, mais pas trop, genre c'est léger, c'est bien dosé. Ouais. Moi j'aime bien, je valide. Je valide aussi.
J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié regarder ma tête là. Je t'ai du tout Lucie. Parce que je me suis carrément incrustée dans la vidéo et finalement j'ai fait toute la vidéo. Mettez la cloche de notification. Parce qu'avant je disais jamais et que des fois les gens ils me disaient ah mais pourquoi t'as pas sorti une vidéo alors que ça fait un mois que j'ai sorti la vidéo. Bref, comme ça après. Youtubeur pas très professionnel. Comme ça maintenant vous savez qu'à côté de la chaîne c'est marqué abonné, il y a une petite cloche. Comme ça là, bon, je vais pas faire la forme de la cloche, hein. Voilà, bref. Mais tu peux pas mettre tes doigts. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui est ici et deux autres chaînes qui est Landerraf et Lego Aventure. Pense à laisser un j'aime si t'as aimé la vidéo. Et aussi, suivez-moi sur mon Instagram qui est Lego Aventure, les liens sont dans la description. Et puis, merci à Lucie d'avoir participé à cette vidéo. C'était un plaisir, à bientôt j'espère. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.